Salut YouTube, du coup bah on est sur ce build là, on va continuer en passant par ici. Et on va aller voir la suite du jeu du coup, c'est parti. Putain déjà ! Mais lui mais il était pas sympa avec moi ! 1900 de dégâts. Non mais il est vénère de ouf lui en fait. La musique est trop cool. La musique est tellement cool. Son marteau est trop cool aussi. Il a imbibé de quoi? Il l'a nimbé de quoi? Il tape fort. Wesh! Could you please let me free? Ok, mais on a repris vénère là! On a fait de la méta, mais. Wow. La portée que j'ai. Elle est juste insane par contre. Attendez, attaque chargée, ça passe. Ça aurait été tellement cool que ça passe. Je vois rien. Il y a une pause infinie, non? Allez, on y croit. Ça aurait pu être un first try. Dégoûté. Pepsouille, j'adore. Pepsouille. Bon, ça tape fort. Hein. Vous avez vu l'attaque chargée. L'attaque chargée avec les deux épées. Elle est insane. En fait, j'ai mis la foi trop tard. Je savais pas qu'il y avait un boss là, en fait. Ce gars est plus fort que toi. Tu vas voir s'il est plus fort que moi. Voilà ça. On en a Grand Voxel. Suicide, c'est... Bam. Pendant ce temps, il y a des gens. Par contre, on voit rien. Hein. Abusé, ça, par contre. Pendant ce temps, il y a des gens qui jouent à l'arbalète. Les arbalétriers. Le Moonstead. Moonstead. Fini, mec. Le marteau du pérégrin de fer. Alors, Voxel. Bon, on va améliorer l'épée du coup. Ah, c'est cool qu'il y ait eu un boss là. C'était un jeu de mots. L'ancien slogan de Sega. Sega, c'est plus fort que toi. Oh putain. Moi, je l'avais pas. T'aurais dû écrire Sega. Donc, j'améliore pas mon perso. Je vais voyager. Il a été expédié par la poste. Je pense que ça doit être sans doute un boss compliqué. Il avait l'air d'avoir beaucoup de vie. Quand même, vu tout ce que je lui ai foutu, je l'ai mis mid-life en 3 coups quand même. Et en plus, elle est pas au max, mon épée. Ah oui, on va voir. Amélioration d'équipement. C'est parti. Ah, c'est quoi? Ah oui, c'est une merde. Acheter. Bien que j'en possède. Attends, acheter. Bête. Attends, non. J'en ai 0. Il m'en faut 6. Oh. Chier. Ah si, je peux les payer, mais après je peux pas améliorer ma arme, non? Hein? Pardonne, genou. Bon, bah, on a les 6 pierres au moins. Crotte. Bon, on se retépe. Calrat, c'est parti.
Bon, apparemment, il voulait pas que je rentre. Hein. Il voulait pas que j'y aille, là. Je pense qu'on finit... Vous pensez qu'on finit ce soir ou pas? Ben, c'est l'enchaînement des boss, là. Ah oui, le marteau qui la drop, pardon. Ouais, vous avez raison, j'ai pas pensé. Où est-ce qu'il est? C'est pas lui. C'est celui-là? Ben, c'était ce truc, là? Pérégrin de fer, ouais. Oh! Attends, ça a changé les stats. Ça m'a mis gloire sanglante, ok. Il est C plus force. Et après, il est radiance, brasier, agilité, E. Et il fait 229 de dégâts. Par contre, il stack le feu. Le sacré. Ah oui, non, mais c'est des bonus en E. D'accord. 31 de force, ouais, c'est une arme force, quoi. Tu vas voir le moveset, là. Les mandales que tu fous avec ça. Ok. Pas du tout. Ok. Et là, du coup, débloquer la porte. Let's go. Du coup, c'est boss, là, direct. Donc, en fait, si on réfléchit dans l'ordre, il y a le boss dragon, le sbire, le deuxième sbire. Ouais, là, c'est la fin. sur source, je pense que je vous ferai une vidéo, je pense, pour vous montrer. Mais elle note, là, il m'a indiqué un putain d'endroit, c'est ouf. C'est niveau combien? Je crois 84. 84 ou 85? Putain, ces dernières zones, là, non? 88. Quand même. Ok. La portée. Elle est insane, la portée. Bon, on n'oublie pas qu'il y a Ombral qui existe. Il y a un mec, là. Okay. Ça a l'air d'être la zone de fin, là, non? Wow, putain, je les stun au premier coup. Ok. Dark Souls, ça y est. Ah, trop cool, j'ai loupé le piège. Si t'es déter et que tu galères pas trop, il peut être fini ce soir. Ok. Attendez, parce que là, il y a plein de papillons. Ok. Une astuce pour avoir une grosse épée de Grégory. Deuxième. Mais il y en a deux. Non mais vous êtes fous. Attendez, il y a une grosse mythe là, non? Vas-y, go Ombral. Bah écoute, random... Maybe. Non, je sais pas. Pas de suite. Putain, vas-y. J'ai pas les bons soins sur moi, d'accord. Vive la radiance! Ok. Ah, comment je vois ce qui stack le sang sur mon épée? En fait, regarde, dans les stats ici, tu vois, quand t'es sur une épée, par exemple, n'importe laquelle, bah, je veux te mettre sur la bonne. Hop, si je prends ça, tu vois, ici, là, tu as le sigle sang, le sigle radiance, le sigle feu, le sigle je sais plus quoi, poison et glace. Voilà. Ombral, pardon, je crois. Je crois que c'est ombral, ça. Voilà.
En fait, c'est là que tu vois les chiffres. Et plus les chiffres sont hauts, en gros, et plus ça stack le truc. Enfin, comment je remonte, moi, par contre, là, c'est bien gentil, mais moi, je suis Keblo, là. Non ? Je sais pas. Ah oui, d'accord, ok, faut ouvrir la porte. Ouf. Wesh, what ? J'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Mais quand j'étais dehors, il n'y avait pas tout ça. Bizarre. Ok. Salut CM, waouh. Bienvenue. Salut chef, je voulais savoir comment on fait pour augmenter la barre grise, là, sous l'enduit, s'il te plaît. La barre grise sous l'enduit, c'est la barre bleue, cette barre-là. Attends, tu me dis oui, hein, si c'est cette barre-là. Cette barre-là, attends, j'arrive pas à la montrer, mais la barre qui est... Ah ouais, je suis aimanté, merde. C'est de la merde. La barre bleue. Parce que si c'est ça, c'est la barre de magie. Donc en fait, tu l'as fait augmenter en augmentant soit ta radiance, soit ta... Brasier. As-tu déjà battu Devlra la Magistère? Ah, je sais pas, je me souviens pas le nom des boss, MZDRIS. Peut-être. Parce que t'étais dans l'ombral. Non, parce que c'était des mobs normaux, pour le coup, cristallaires. Ah, les munes. Il me semble que c'est en montant la stat agilité. C'est MWASH, il me semble que c'est ça. Attends. Fais voir, est-ce que dans personnage, il me semble que c'est ça. Hein. Dites-moi le chat, vous savez ou pas comment j'augmente la barre de mun? Allez, bisous. Non mais c'est juste que j'étais pas allé là en fait. Ah oui, il y a une attaque sautée, une attaque levée quand on court et qu'on fait R2. Regardez, si je cours et que je fais R2, bam, c'est une attaque pour soulever les ennemis. Incroyable. Ça a l'air de bien marcher. Dernière question, après je te laisse tranquille. T'inquiète, il y a aucun souci. C'est quoi l'érosion? Sacré feu. Ok, mais érosion. Alors, érosion, c'est quand tu vois une barre rouge d'ennemis, tu vois. Et si tu as une arme comme celle-ci, qui fait en bas là, érosion 85 plus 83, en fait, ça va lui baisser sa barre de vie aussi en blanc, et le prochain coup, cette barre blanche, pam, elle va sauter. En fait, c'est pas un dégât qui fait perdre de la vie directement, ça érode sa vie, et après, au prochain coup, ça la fait sauter, cette fameuse érosion. Donc en gros, bah, ça fait mal, ça peut faire très mal l'érosion. L'érosion, il y a des armes qui font de l'érosion et en gros bah, tu peux la stacker, l'érosion justement, l'accumuler pour stacker, quand je dis ça, c'est accumuler. Accumuler l'érosion si tu veux. Donc là on va passer par là du coup. Ouais, sauf que je suis obligé d'aller dans l'ombre là. Okay. Ok. Et celle de châtiment, ouais le châtiment c'est ok. C'est l'autre stat un peu orange. Eh bien écoute, avec plaisir, Soussoura, si t'as d'autres questions, n'hésite pas, moi je suis là pour ça. Hein. En vrai. Hop, un petit coffre. Et là j'ai eu la hache de bourreau, d'accord. Attendez, je reviens dans le monde réel. Grosse optionnelle accessible avec la clé de drainage. Alors je sais même pas si j'ai la clé de drainage. C'est un raccourci. Parfait, pas besoin de mettre une graine. Il y a un boss stylé. Ok. Eh bien écoute, je regarderai si je l'ai. MZDRIS, si jamais j'ai pas le. Comment dire, si je l'ai pas faite, tu me redis, d'accord, et je le ferai quand j'aurai fini le jeu, d'accord. Il n'y a pas de souci. Quand j'aurai fini le jeu, tu pourras le dire, d'accord.
What? Il m'a one shot. Ok. À moi qui voulais partir de l'ombral. J'ai raté. Ça a l'air ouf la zone là où je vais. Ça a l'air juste dingue. Normalement c'est bien l'agilité. J'ai été voir sur un autre chat et ils ont dit la même chose. Merci beaucoup. D'accord, ok. Ok. Ah bah écoute, avec plaisir, c'est moi. Ah oui d'accord, c'est bien la stat qu'il faut augmenter, d'accord. T'as la dame rose de la marque. Oh putain. Oh là là, ça c'est un build de pyro là. Je pense que je vais la saucer. Attendez, j'en charge une autre. Purée de dame rose. Bon. Elle a pas fait long feu. Hello, tu vas bien? Pas de soucis avec le jeu. Car moi, ça fait une heure que j'essaie de démarrer le jeu, mais il crache à la première image du jeu. Alors, Dark Reverb, bah, t'es sur PC, c'est ça? Ou t'es sur Play? Je l'ai saucé. Ils sont où les GG, là? Ils sont où les GG? C'est du cheat avec ton build. Oui, PC. C'est bizarre. Quoi, tu les enchaînes, c'est trop... C'est ouf. Oufissime. Attendez, je vais monter, non? Attendez, je sais pas si il faut aller là ou là. Je vais aller voir là-haut d'abord. Merci pour les G. T'es un boss, hein? Je crois. Moi, j'ai ma carte graphique, c'est une 3080. Et toi, Dark Reverb, t'as quoi comme carte graphique? Merci pour les GG, merci beaucoup. Franchement. Putain, ça marche trop bien ce build. Attendez, je vais revenir à la zonzon. Carte de Bastel Brami. D'accord. Je voudrais revenir à la maison pour pouvoir... pouvoir level up, en fait. RTX 3060, 12 gigas. Pourtant. T'as mis en quoi? Oh putain, la claque. Allez, je vais revenir à la maison pour améliorer mon arme. Ouais, vérifie si les drivers sont à jour. Moi, j'ai eu une mise à jour de driver là tout à l'heure, avant le live. Dark Reverb. Ah, t'es à 1440p. Bon, ça devrait passer quand même. Oui, mais bon, après tu baisses, non? T'as essayé de le faire démarrer avec tout en low ou pas? Peut-être j'aurais pu planter une graine là-bas, non? Je sais pas. On va peut-être faire ça, c'est peut-être moins con. Combien j'ai de graines? Ah ouais, j'en ai 5, vas-y. Je fous de graines, ouais. Ouais, j'ai tout testé. Merde. Alors c'est plutôt matériel. Ouais, on peut changer ses stats quand on veut, tête de kiwi. J'ai fait une vidéo sur le truc. Du coup, salut Flo et salut à Power Game. Bonsoir. Du coup, j'ai pas dit bonsoir. Je vois que les messages, ça s'excite pour dire bonjour. Ouais, item spécial, ouais, c'est des chrysalides de renaissance. Il faut ça, regarde. T'as Molu qui en vend. Merci MZDris pour le follow, merci beaucoup. Merci infiniment. Bienvenue. C'est ça qu'il faut pour renaître. Chrysalide de renaissance. Si tu veux, t'as Molu qui en vend une. Et en fait, tu respectes auprès de Pieta. Le premier boss majeur que tu tues, là. Le premier boss après le tuto. Salut Miguelito. Ouais, j'ai fait Lies of Pi, je l'ai fini, Miguelito. J'ai fait tous les boss. Et merci à CM Wash pour le follow, merci beaucoup, bienvenue. Merci, merci. Bon, du coup, je vais essayer de planter une graine. Hein. Mais ça s'arrête plus, merci aussi à Ghost X PUBG pour le follow, merci beaucoup. Et bienvenue. Allez, petite graine. Je vais me TP pour aller hop, level up mon arme, du coup. C'est parti.
J'ai joué manette pendant plus ou moins 1 heure et ensuite ça a commencé à cracher. Écoute, je sais pas du tout Dark Reverb, je sais pas du tout. Mais je pense que ta CG, tu peux jouer en 1080p en low, mais pas en 1440p. Regarde les benchmarks du jeu sur internet, sinon et tu vois. Bon, mais écoute, random, essaye d'aller checker Dark Reverb, écoute les conseils de random. Merci à la KAG26 pour le follow, merci beaucoup. Abonne-toi. Ah, ça me tue, c'est de chez moi la KAG. Bruit de roue random. Donc ok, on va améliorer du coup l'équipement, on va améliorer ça, du coup on pourra mettre une rune supplémentaire. Ah, attendez, j'ai 6, ouais, du coup 4005. J'améliore du coup. Là il m'en faut 8 maintenant. Je pense que je peux les payer. Putain, 769 de dégâts. Mais what, mais cette arme elle est insane. Il m'en faut 8 du coup. 12 000, merde j'ai pas assez. J'en ai 7. 7 c'est good. Et je peux peut-être consommer des petites runes que j'ai là. Pour acheter la 8ème. Je l'ai pas forcément trouvé plus dur. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, celui-ci, il a un peu la durée, la difficulté qui a été rajoutée parce qu'ils ont rajouté beaucoup de mobs à certains endroits. Et du coup, bah, ça leur rend le jeu difficile à cause de ça. Lies of P, finalement, je le trouve peut-être un peu mieux équilibré que Lords of the Fallen. Mais Lords of the Fallen, en fait, le défaut qu'il a, c'est qu'il y a trop de mobs partout. Et en mid-game, c'est compliqué. Et la zone d'aggro des ennemis, elle est infinie. Je pense que s'il réglait juste ses petits problèmes, mettre un peu moins de mobs et réduire les zones d'aggro et rajouter des vies au boss aussi, il faudrait qu'il fasse. Et bien, à mon avis, le jeu serait parfait pour le coup. Mais c'est rien à faire, hein. À mon avis, pour eux, ça doit être des curseurs à faire, descendre et puis basta quoi. Du coup, là, je peux l'améliorer, mais j'ai pas de sous. Mais je pourrais l'améliorer plus 9 et on passera à 779 de dégâts. Il me faut 5500 par contre de thunes. Donc là, on l'a quand même amélioré en plus 8 et je fais 694 et 632 de dégâts avec un bonus AA. Donc c'est topissime. Cette putain d'arme, c'est oufissime. C'est oufissime. Avec plaisir, Miguelito. Tu l'as fait toi, Lies of P? Qui c'est qui a fait Lies of P dans le chat là? Vous l'avez fait vous ou pas? Lies of Pipi. Allez, le... Pfouah, putain, la claque, quoi. Il est tellement beau, le jeu. Merde! Mais alors? Il n'y a qu'une épée qui le touche, lui. Attendez, je vais me reposer, parce que là, franchement, on commençait avec ça, bof. Moi, je suis déçu avec Mirage. Ah, ah, ah. Alors, Paladin l'a fait, ok. Au 60 FPS en 1080p, il préconise une 2080. Donc en 1440p pour une 3060, je peux quand même jouer à l'intermédiaire. D'accord, ok. Ouais, mais après, ça dépend de l'opti aussi, peut-être, je sais pas. En plus 3 croix, Mzedris. Lies of P, c'était très cool. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est prévu de le faire. Ouais, faites-le, franchement, il est trop cool. Hein. Moi, je l'ai fait 2 fois. Bravo, Flora. Attends, t'es un NG plus 3 du coup. Moi, je suis déçu avec Mirage. T'as un avis sur le Cruiser? C'est quoi? C'est le croisé sombre, c'est ça? Le croisé sombre, tête de kiwi, je pense que c'est une bonne classe bien équilibrée. Par contre, à mon avis, il faut quand même prévoir à faire des sortilèges pour de la pour de faire des sorts de distance pour pouvoir s'en sortir sur certains mobs. Donc le cac, je sais pas si c'est full opti pour la fin du jeu. T'as pas fini, Miguelito, ok. Ouais, ça donne envie. Vous avez vu, ils ont vendu 1 million de jeux, là. Lies of P. Donc il y aura un 2, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un DLC. Platine finie en NG++. Putain, bien joué, Maxime. Salut à toi, d'ailleurs. Bonjour, Maxime. Bienvenue. Non, dessus. Je le fais, quoi. Ah, t'es sûr, Mirage. Ok. Ah, t'es dessus, sur Lies of P, avec Mirage. Ok, je croyais que tu jouais à Lies of P. Ok, putain. J'ai eu du mal, là. Bonsoir, Harry Bozom. C'est l'ami Kos. L'ami de cause, pardon. Ouais, c'est dans l'ombre, mais pourquoi Dalby, les Qatars, tout ça, tout ça. Eh bien, écoute, salut, Mycose Instable. Bonsoir à toi et bienvenue dans l'ombre. Bienvenue. Salut à ceux qui arrivent, bonjour à vous. Et pour ceux qui découvrent, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à follow si ça vous plaît. On va continuer de toute façon Lord of the Fallen, je pense, quand j'aurai terminé. On va aller tester d'autres builds. Moi, ce que j'aimerais tester, je me fais défoncer. Ce que j'aimerais tester, c'est un build ombral.
Magie ombrale. Il y a toujours plus de vie, les mecs, là. Vous avez quoi, là? Problème, là? Je trouve que le bestiaire de peut-être de l'Eyes of Pi est peut-être un peu plus fourni que celui de Lord of Fallen, je sais pas. J'ai un peu cette impression. Ouais, test en 1080 Dark Reverb et dis-nous. À mon avis, c'est pas con. Hein. Re-couscous, re à toi. Je me suis fait éclater, mais ils ont quoi là, eux? Mort. What? Je suis mort. Moi. Non. Non, non, c'était un temps de chargement, c'est sûr. Mais oui, mais oui, mais oui. Kappa, kappa. Kappa, kappa. Vise pas le bon ennemi, putain! C'est encore pire que la saison, hein, d'accord. Bon, bah écoute, moi je ferai pas. Qu'est-ce qu'ils ont branlé, putain, avec leur jeu? Ils avaient tout pour faire un bon jeu, mais... qu'est-ce qu'ils ont branlé? GOTY 2023, à mon avis, ça va se jouer entre Zelda Teoteka, Baldur's Gate... ce qu'on a mis dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur les GOTY. En gros, ouais, Zelda et Baldur's Gate, à mon avis. Il est fort probable qu'il y ait... Bon, je me concentre. Allez, merde. Pour le coup, j'ai fait... Ouais, j'ai fait une vidéo, si vous voulez voir, sur les GOTY. Mais ça finira avec Baldur's Gate en GOTY, à notre avis, hein, on avait dit. Cette zone, l'enfer sur la terre. Mais je pense qu'il va tout rafler, ouais. Ok, j'ai récupéré mes âmes. Putain, on a l'air de level up vite, là. Waouh. Ça fait quoi si je prends mon épée à une main? On va tester. Ouais, jouer Pyro ici, c'est du suicide. T'as raison, Barry Max. J'avais pas pensé. Putain, mais le mec qui joue Pyro, là, il est mort. Attendez, je prends mon arme à une main. Mais... Ouais, ça fait quand même vachement plus de dégâts à deux mains. Hein. Je sais pas. Je me voile la face, peut-être. Pour une fois, je peux être fier de mes compatriotes belges qui... On fait Baldur's Gate. Ah, c'est des Belges qui ont fait Baldur's Gate? Pour un premier jeu Souls, ils ont fait fort. Crystal, tu parles de Lies of Pi ou tu parles de celui-ci? Ouais, vas-y, viens. Il a même pas pu me toucher. Ok. Lies of Pi, ouais, franchement, ouais, je suis d'accord. En plus, c'est un petit studio, hein, franchement. Ils ont bien géré, je trouve. C'est marrant que Exerve, il ait pas du tout aimé Lies of Pi. Je suis assez effaré. Bravo les Belges. Ouais. 90 heures de plaisir intense. Apparemment, tu peux aller jusqu'à 250... Oh putain, vas-y, ils m'ont mis ça, là. Alors lui, il a combien de vie? Et parce qu'il y a un autre chien, je crois, derrière. C'est ça. Ah, super. Donc quand t'arrives, en fait, à l'élite, t'as déjà plus de soins, quoi. C'est ça. Ok. Tu es dans l'ombral déjà ou pas? Non. Il aime rien. Si, il aime Lord of the Fallen. Wesh. Je vais avec mes deux épées là.
en fait, là, je vois pas l'intérêt d'avoir mis autant d'ennemis. Vous voyez, je vois pas l'intérêt. J'ai fait 20 mètres. Vous avez vu, il y a un chien, un mec avec ses haches, deux autres chiens, un autre mec avec ses haches, deux autres chiens, mais qui explosent, plus un sorcier. Ça fait 8 mecs. Ils pensent quoi, qu'on est... On fait 6000 de dégâts, là, qu'on les one-shot et tout. Parce qu'on les one-shot, les mobs, sérieusement? Hein? Le tout en one-shotant les mobs. Ouais, je pense que ouais. Ouais. Et puis je pense qu'en plus, il y aura... Là, il va y avoir un DLC, il va y avoir sur Lies of P, il va y avoir, je pense, d'autres Souls-like aussi qui vont sortir, donc on va se régaler, hein, franchement. Et puis il va y avoir le DLC d'Elden Ring aussi, normalement il devrait être annoncé au Game Awards, ça devrait être cool. Salut Malchem, bonsoir et bienvenue. Je pense que c'est pour forcer le multi, honnêtement, mais c'est possible, ouais, c'est possible. Mais apparemment, dans le multi, les mobs, ils ont deux fois plus de vie, donc je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression d'être en combat constamment, mais moi pareil, Darkfire. Oui, en plus, je fais des méga dégâts, tu vois, c'est quand même chiant, quoi. Ok. Tant que le magicien m'a pas vu, moi ça va. T'es très los. J'ai eu une rune de feu. Putain, et le magicien m'a vu ou pas? Magicien des ténèbres. Ah, attendez, parce que moi j'ai des super sorts. Aussi. Ok. J'ai oublié d'améliorer mon catalyseur dans tout ça. Je peux pas me soigner, c'est infernal. Ah, vas-y, avec ton feu qui passe à travers en plus là. Ok. Toujours plus de portée, hein. Toujours plus d'aggro, comme je dis dans mon test là. Je pense que je dois être à 40 heures de jeu là aujourd'hui. Mais j'ai fait de stream 4h30, ouais, ça va. Putain, j'ai plus de soins. Je fais comment, moi? Sérieux, je fais comment? C'est-à-dire, derrière Vert, tu mets dans quelle catégorie, du coup? Les gamers, dans les PGM, ça. Les maxi PGM, les plus beaux. Musclés et beaux. Musclés et beaux. Et super chauves aussi. Je plante une graine, OP, déco, instant. Pas belle la vie. Dès que tu plantes une graine, tu déco, pourquoi? Ok. Ah, le DLC d'Elden, on va se régalax, je pense. Mettre la régalassade. Ok, donc là, il y a quelques petits trucs, une petite mythe, voilà. Bon, ben là, hop, on occulte. Salut. J'hésite à acheter, il vaut le coup. J'ai jamais fait de Souls auparavant, tu me conseilles? Alors, le vrai Leda, déjà bonsoir. Si t'as jamais fait de Souls, moi j'aurais tendance à pas forcément te le conseiller. Je sais pas en fait. Je t'avoue que... En fait, moi je sais pas dans quel sens... Je m'imagine si j'avais jamais fait les Souls, est-ce que... Je préférerais commencer par Lord of the Fallen ou par un Dark Souls, tu vois. Moi, je te conseille de commencer par Elden Ring. Tu commences Elden Ring, tu fais Elden Ring, et ensuite, tu t'achètes Lord of the Fallen, et tu compares. Ouais, ouais, ben, prends Elden. Elden, et après, tu prends du Lord of the Fallen. Et tu pourras comparer. Un petit peu, quoi. Sans te dire que c'est un monde ouvert. Lord of the Fallen, c'est pas un monde ouvert. Hein. C'est plutôt un jeu style Dark Souls qui connecte des zones entre elles, tu vois.
Mais ouais, je pense que je te conseille plutôt Elden pour débuter, parce qu'entre guillemets, c'est le plus facile des Souls, plus compréhensible, et puis après, hop, tu pourras attaquer avec des Souls-like, du coup. Voilà. Après, voilà, il est excellent quand même, hein, tu vois, il est... C'est juste que pour démarrer, je sais pas. Moi, pour les gars qui démarrent, je me dis, putain, ah, vas-y, direct. Direct. Le premier Souls a été le remake de Demon's Souls. Depuis, je suis dans une secte, MDR, moi pareil. Salut Astérix! Putain, il y a Astérix, quoi. Dark Frayer. C'est dommage. Dans la guerre, c'est sympa qu'il s'occupe de sa commune et qu'il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Bon, après, franchement, moi, avec Serve, je le vénère. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a des avis qui sont très tranchés, très construits, ou aussi très nuancés. C'est quelqu'un que je suis beaucoup, que j'apprécie beaucoup en tant que créateur, moi, je vous le dis. Même si des fois, j'avoue, il peut rajouter. Mais je pense que c'est quelqu'un qui saura toujours te dire pourquoi il aime pas quelque chose. Il saura toujours te dire pourquoi il aime quelque chose. Et ça, franchement, je trouve que c'est quand même... C'est pas donné à tout le monde sur l'internet, les internets à l'heure actuelle, quoi. Un melon plus gros que l'Aveyron. Putain, frère. Et en plus, il ghost. Tout le temps, sa commu, il fait semblant de pas voir derrière sa moustache. Non, c'est pas vrai, frère. Je fais ce que je peux. Bon, je vais vendre des trucs, du coup, pour essayer d'améliorer mon arme encore. Je vais vendre une petite rune. Il me manque pas beaucoup. Attendez, j'ai peut-être ramassé un petit crâne. Putain, jamais j'ai un crâne, quoi. Jamais j'ai un crâne. Et merci à Levray le Dard. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci. Abonne-toi. On est 4465. Putain, on est bientôt 4500 sur la chaîne. C'est ouf. Et j'adore. Moi, j'ai commencé avec celui-là et j'adore, nous dit Astérix. Ah, c'est cool d'avoir l'avis de quelqu'un qui a commencé avec celui-ci. Écoute... Si t'as jamais fait de Souls, peut-être que tu peux commencer par celui-ci. Je plus soi le commentaire à faire attendre en Vauxhall quand même. Mais je vous aime beaucoup. Et merci pour le Prime de Levray le Dard. Merci beaucoup. Incroyable. Abonne-toi. Donc, amélioration d'équipement 5500. Il me faut bien ça. Donc, bon, écoutez, on va vendre des petites merdes. On va vendre des consommables. T'as. Est-ce que j'ai beaucoup de consommables? 25, 50. Non, mais je vais pas vendre des consommables. Je vais vendre des trucs que j'ai en trip. T'as, regardez ça. Là, j'ai un triple. Voilà, mais c'est good. Du coup, je peux améliorer mon épée en plus 9. Elle fera voilà, 779 dégâts et 873 pour la prochaine amélioration. Ah, je peux mettre une rune supplémentaire en plus. Putain! Et je peux mettre du coup ce que je veux comme rune. Donc, je peux vraiment mettre... c'est le bonheur, là. Là, c'est le bonheur. C'est-à-dire que du coup, si j'avais... je peux peut-être... Non, mais augmenter la tribu radiante, ça servira à rien. Prendre la vie en tuant un ennemi. Cash. Ouais, parce que du coup, ça sert à rien de foutre du feu. Attendez. Je vais quand même pas m'énerver autant, si vite. Tumule, du coup. Qu'est-ce qu'on a? Accélère l'accumulation d'embrasement. On s'en fout, elle est pas en feu. Augmente les dégâts de feu. On s'en fout, elle est pas en feu. Accélère l'accumulation, on s'en fout. Bon, après, le reste, c'est de la chiasse, non? Augmente les dégâts physiques, ouais, c'est de la chiassasse. Augmente les graines de vigueur. Les gains de vigueur, pardon. Les dégâts physiques. Non, mais en fait, je récupère de la vie. Elle pèse 0. Elle inflige des dégâts de posture supplémentaires. Celle-ci, elle augmente les dégâts d'attributs de radiance. x2. Et en plus, j'ai la stack saignement qui est plus forte. Non, mais moi, j'ai un build ultime. Je suis désolé, mais j'ai le meilleur build du jeu, là, actuellement. Je pense que j'ai le meilleur build du jeu. Salut à toi, Darken. Bonsoir, pareil pour moi. Quoi que serve. Mais pas mal déçu sur son avis sur Wolong. Il a bien sûr le droit de pas aimer, mais il a juste buté sur le premier boss. Après, franchement, c'est vrai que le premier boss, moi, de Wolong, j'ai pas réussi à le battre. En tout cas, j'avais testé la démo à la Paris Games Week l'an dernier, j'avais pas réussi à le battre. Après, j'ai pas vu son truc sur Wolong. Moi, j'ai pas d'avis. Je suis désolé, j'ai pas d'avis sur ça. La petite voix derrière m'a dit abonne-toi, j'ai écouté, j'adore le vrai Leda. Mais c'est moi qui l'ai dit ça à l'époque, en 2018, quand j'avais fait l'enregistrement de mon premier jingle. Abonne-toi.
J'arrive pas à le refaire d'ailleurs, mais j'étais couché. Abonne-toi. Ah ouais, c'est presque ça. Abonne-toi. Ouais, c'était ça. Non, on l'avait. Allez, go, on continue, les gars. C'est parti. Les gars, quand je dis les gars, c'est les humains. Hein. Les gars, les filles, quoi. Etc. Ok, bon, mon épée, elle est en plus 9, elle va taper des têtes. Fort. Ouais, bon, ça one shot maintenant. Impression, quoi. Cool, j'avais un crâne juste là. Super. Alors, eux, je les déteste. J'ai l'impression que mon épée de sang fait quand même toujours plus de dégâts, je sais pas. Après, c'est stylé comme ça. Oh là là. Bon, qu'est-ce que je fous encore debout, moi? C'est qui ce mec? Je vais aller le voir de ce pas. Quel mec? Ah, Exerve. Ouais, j'ai un regain de PV avec mon arme, ouais. J'ai une rune comme ça, ouais. Bon, je regagne des vies en tuant des ennemis. Attendez, je vais tenter de faire full aggro, voir. Genre en mode speedrun, là. Voilà. C'est de l'abus. Et merci, FRNG Fox, pour le sub. Merci beaucoup, incroyable. Abonne-toi. C'est la petite voix. C'est la petite voix. Vous avez vu, je regagne des vies quand je tue des mobs. Putain, mais mon build, j'ai le meilleur build du jeu. Je crois que je viens... Vous êtes face au streamer qui a trouvé la méta, la mieux du jeu, et qui est en train de mourir en disant ça. Est-ce que je suis vraiment omniscient sur Lord of the Fallen? Ou pas du tout? Ouf. Toujours plus de mobs. Le jeu est fini! Non, mais c'est ouf! On est parasport. Loupé. Loupé. Ouais, non. C'est abusé par contre. Le nombre d'ennemis là, c'est juste abusé. Tu me signales pourquoi? Incroyable ton perso, cheat code! Signalé! Ah ouais, le build il est ouf là. Ouais, le sub en plein fight, franchement. Mais c'était je sais plus quand là, il y avait eu au taquet de. Il y avait eu au taquet de sub, il fallait que je remercie, il y avait au taquet de follow, j'étais en combat de boss, j'y arrivais pas à chaque fois qu'il y avait un follow, je mourrais, c'était l'enfer. Mais je tombais dans le trou, c'est ça. C'est la route pour aller, je sais plus, au boss des trois encapuchonnés, là. C'était l'enfer, sous terre, là, dans les abysses. Dans les mines, après les mines. Et vous avez vu, du coup, dès que je donne un coup d'épée, avec cette arme, regardez, je récupère des vies. C'est une lame blasphématoire améliorée, quoi. Non, parce que... Non, c'est pas pareil que Julien Chies, non. Bon, Ayrton. Oh, vas-y. Putain, ça casse les bombes. Désolé. Mais en fait, c'est pas en rajoutant des ennemis que le jeu devient plus dur. En effet, si, il devient plus dur, mais c'est pas les bonnes raisons, quoi. Attendez, il y avait un objet là, quand même, que j'ai loupé. T'as une flasque d'huile, ok. Ça redonne tout d'un coup. Non, ça se jette sur des ennemis. Pas pourquoi. Note pour améliorer les dégâts de fire. Allez, je me recule un peu. Ah mais oui, mais les fins du game, tout est bien. Arrêtez. Quand même, le contenu que nous produit Exerve est extraordinaire. D'accord. Allez. Hop. Ok. Ça fait chier d'être dans l'ombral, là. Ok, d'accord. Je sais pas. Je prends un coup. Putain, y'a un autre Majos là. Encore. Merde. Je vais mourir.
mourir parce que je suis une grosse merde. T'as mais arrête de viser les ennemis, je me casse. Mais c'est pas vraiment corps à corps parce que... Regarde. Si je me mets dans mon cercle de soins, je suis un cac radieux. Tu vois? Là, je perds pas de vie. Dans ce cercle. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est parti, parasport. Ouais, mais là... Oh, mais là, vas-y. Ah, moi, c'est sur Dark Souls 1 qui m'a bien aidé à l'époque. DS1, ouais. Putain, pas évident, là, cette zone. On va y aller comme un bœuf. Mettons de la foi, toi, dans nos petites épées. Hein? On est un foyeur, nous. Ouais. Salut, VXDou. Bienvenue. Ah, train live terminé. La folie. Ah, on peut passer par là, en fait. Je suis pas obligé de monter. J'ai un cake. Attendez, je vais aggro lui, là. J'ai pas perdu un PV pour le moment. Vas-y, VXDou, tu peux nous poser ta question. Ok, je vais monter quand même parce que j'ai la complétionnite aiguë. Donc je vais aller direct à gauche, je pense, par ici. Voilà. Alors, rajouter de la foi dessus, c'est extraordinaire. Voilà. Je le dis, mais ça fait des dégâts de malade. Light Reaper, si tu meurs plusieurs fois contre lui, tu ne peux pas accéder à la fin du jeu? Je sais pas du tout. J'ai pas fini le jeu pour l'instant. Je ne sais pas du tout. Attendez. Je vais regarder ton message, Céline, deux secondes. Enfin, j'enlève juste ça. Enfin, j'essaye de m'en sortir, quoi, je veux dire. Attends, je regarde. Je sais pas si t'as vu mon message, mais tu pourras nous faire un genre de guide ou tuto sur ton build pour les armes et les talismans, etc. Oui, oui, bien sûr, c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Ne t'inquiétez pas, je suis en train de construire ça dans ma tête, déjà. Déjà, en faisant le jeu, je construis quelque chose dans ma tête. C'est très bien. Et puis après, je vous ferai, je pense, un guide 100% détaillé de Lords of the Fallen. Ouais, il n'y a pas de souci, on ferait ça. Et là, ça va attaquer, là. Hein. Je vais attaquer, hein, je crois. Je pense que je vais attaquer peut-être jeudi, à mon avis. Juste que je vois ce dont j'ai besoin comme premiers objets, vous voyez. Et puis après, ben go, quoi. Tu t'imaginais pas comme ça? Mais il a une voix de radio, il est incroyable. Au revoir, on va voir. Du coup, c'est parti. On brale. Ah, je suis bloqué sur un caillou. Putain! Ok, on va essayer de faire ce mage là. What? Je touche la lave et je meurs? Vas-y, je me casse. Je vais juste récupérer mes âmes et je me casse. Parce que je suis bloqué à l'arène. Oui, ça ne s'est arrivé. Alors, je sais pas du tout, VXDO. Je sais pas. Beaucoup. Je suis pas parti du bon côté, non? Ouais, je vais perdre mes âmes, c'est ça. Ouais, c'est ça. Super. Ah non, ouf, il y a l'ombral d'abord. Pas du tout parti du bon côté. Bon, je me casse en courant, hein, je n'ai rien à battre. Hein. Voilà. Ah, le contenu est quali, ouais. Ayrton. Il te fera... Et moi, non.
Hein? Moi, je fais pas aimer Elden Ring, hein, Vauxhall? Ah ouais, c'est ça. Ça choisit son camp, hein. Putain de connard. Ça me saoule. Putain, mais... c'est ouf. Je me tire. Non, mais non. Et là, je suis pas mort. Attends. Qu'est-ce qui se passe? What? Mais putain, mais il se passe quoi? Je pense que Vauxhall envoie des messages à Forerton qu'elle coupe et colle. C'est possible. Dans un but de trahison absolue. Allez, putain, mais vous allez mourir, bande de mobs de merde! Vous voulez que je refoute de la foi sur mon épée? Ben vas-y, là. Il va la sentir, la foi. Il va la sentir. Voilà. Ouais, franchement, il analyse taquet bien. C'est incroyable. What? À quel moment tu te relèves après ça? Les grands chassés de ces morts. C'est pas la bonne touche. C'est pas la bonne lampe. Pardon. Non, c'est la suite. C'est la suite. L'Indexos, ouais. Juste que c'est zone de fin, je pense, et c'est très compliqué. Il y a vraiment beaucoup de mobs, en fait. C'est un peu l'enfer. Moi, c'est par là, du coup. Ok. On va essayer d'ouvrir cette porte, donc je vais passer par ici. Passe pas de demain 7h. Ah! Ah, une souvenir! Mais pars-toi! Ok. Ok, souvenir. Just an answer, snowballs, stuff the way along. Singing the snuffling, so hey, what's that? Ah, tu me regardes fini. Ah ouais, réveille 3 heures. Vous voyez, ça, c'est débile, putain. Tu regardes un souvenir et tu te fais aggro par des mobs. Oula, marteau de Drunstan. Ah, c'est Drunstan qui est mort. J'ai eu son anneau. J'ai eu un anneau. Attendez, j'ai eu un anneau, c'est celui-là. L'anneau de Melchior. Inflige des dégâts physiques supplémentaires. Incroyable. Ouh, ça a pas l'air mal, ça. On peut rentrer dans mon build, ça. En tout cas. Attendez, il y a des tentacouillax qui vont partout, là. Voyons voir. T'es là. Nickel. Atlas Fallen, je me souviens pas ce que c'est, Forerton. Ouais, deux épées, c'est oufissime. Elles sont améliorées en plus 10, toutes les deux, l'Innexos. Regarde ça. Voilà, super, j'ai cogné le mur. Je me délecte. Oh putain! Voilà, vas-y, fais l'attaque des stocks. Ouais, c'est terminé. Ok, on va essayer de continuer par là. Bah, je réinstalle le jeu et plus aucun souci. Je joue à 1440p Ultra avec ma 360. Et à ma 3060. Mais attends, du coup, il a fallu que tu réinstalles ton jeu. Et ça a fonctionné. Ok. Lui, il est dans le sol. Ok. Tout va bien. Alors en plus, il est Nexus, j'ai une de mes deux épées qui me redonne des vies quand je tue des ennemis. Donc c'est plutôt très très cool ça pour le coup. Ok, donc on a fait le tour par là. Alors ça, attendez. Ah, il y en avait un à péter là-bas.
Et attends, et là... Oui, non, ça, c'est, la... c'est le dernier, en fait, à péter. D'accord, je suis quand même obligé d'aller là-bas. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est une main avec l'autre, hein, et celle-ci, c'est... En gros, il y en a une des deux, elle pèse rien, et elle est... À 779, elle est en plus 9, elle a un bonus A+, et A+, en force et en radiance. Celle-là, elle a un bonus A+, en radiance, et elle fait 300 enseignements. Donc c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que j'étais en train de vouloir faire? Si, il faut que j'aille péter ça là-bas. Surtout pas que je tombe dans le... Dans leur piège. Piège de ces morts. Piège de ces morts. Piège de ses mains, de ses mains. Zema, de ses mains. Attendez, je suis emmerdé parce que du coup, il est où le truc, le tube là, le tuyau? Mais non, mais il y a trop de mobs, je suis trop d'accord. Oh, mais c'est par là, là. C'est pas dans l'ombral, putain. Comment on l'a, là, ce Tentacuyax Maximax? Ça y était pas, ça, tout à l'heure. C'est dans ce tube, là. Dans ce putain de tube de ces morts. Ça m'énerve. Ça me donne envie de péter dans la vraie vie. Sur le micro, comme ça. Et après de le bouffer. Merde! Putain! J'y retourne! Enfin de tes morts! Enfin de tes morts! Enfin de tes morts! De tes morts! C'était par là. Ok. Bon, on avance bien. Attendez, on va refoutre ça dans son contexte. Voilà. Oh ben non, alors. Alors, c'est un faux objet. On dirait que tu joues à Doom, moi. Mais je pense que c'est... C'est même peut-être tiré de Doom. Attendez, mais ça alors. Voilà. Ok. Je me soigne. Et on continue par là du coup. Putain, mais tout ça pour un tube. Putain, la progression de merde. Ouais, d'accord, il y a un raccourci là, super. Du coup, ils vont pouvoir venir. Ouais, super. Trop content. Je me retournerai pas. Putain, j'ai 999 âmes. Est-ce que c'est pas super stylé d'avoir ce chiffre? Attendez, parce qu'il y a lui, là. Ah, oh, vas-y. Putain, mais en fait, t'as le meilleur build du jeu, quasiment, et tu te fais OS
par un connard de zombie qui fait du feu, putain. Désolé, mais c'est pas normal, hein. Ça va, TikTok? Comment ça, TikTok? Je vois qu'il y a... Il y a deux personnes sur TikTok, à mon avis, ils sont en train de dormir. Bon, du coup, je peux passer maintenant. Attendez, mais du coup, je suis obligé de passer comme ça, par contre. Bon, lui, au moins, s'il meurt, tout va bien. Voilà, le spot de farm, quoi. Mais ça fait gagner une rune, tout ça, là? Parce qu'il y a le maxi connard des chercheuses. Voilà. Oh, pas beaucoup. Pas énorme. Ok, donc là c'est bon, on peut passer là. Là il y a un trou, du coup, on n'y va pas. On va d'abord là, non? Je sais pas. On va dans le trou. Ah, je suis pas chaud du trou. Au secours. Ici. C'est lui là-bas là. Attends, il arrive à me toucher d'ici? Ouais. C'est ouf. Comment c'est pas normal? Entaille infernale, ok. Ça a l'air d'être un truc de pyro, ça. Des haches de pyromancie. Ok. Ah, mais je suis dans l'ombral, merde. Ok, dès que je passe ça... Attendez, il y a... Putain, il y a... Il y a un sorcier, pyro. Passe ici du coup. Le tube à mon avis m'a amené ailleurs. Ok, on est un peu safe là. Ça je pense c'est un raccourci. Oui. Voir. Ah ah ah. C'est marre. Ok, donc il faut que je replante la graine là, là. Oh putain. Ça c'est mieux. Mais oui, c'est mieux. Je suis vraiment tombé comme une merde. Je pense que si c'était Dark Souls 3, j'étais mort 10 fois. Si c'était The Witcher, j'étais mort 10 fois. Ok. Donc là. Ok. Oh, putain. Attendez, tac chargé, ça peut passer. Ok, on va replanter la graine là où elle était. Et merci Max le Mao pour ton follow sur TikTok, merci beaucoup, bienvenue. Ah merde! J'avais pas vu que j'étais dans l'ombre. Allez, les chevilles dans la gorge là. Il est pas chez best le best. Les os qui passent dans le corps, tu vois, t'as tes genoux qui ressortent ici, à mon avis. C'est quoi l'œil en haut à droite? En fait, c'est un compteur. Quand t'es dans l'ombral, quand il arrive à... Plus il monte, plus t'as un multiplicateur d'âme, là-haut. Tu vois, là, je suis à x1, mais vu que je suis dans le monde des vivants, ça restera à x1. Si dans, par contre, ombral, je reste trop longtemps, ça peut être jusqu'à x3. Et du coup, les mobs te cherchent de plus en plus, en fait. Attendez, on va essayer de passer par là, voir. Admettons, t'as planté la graine ici. Ok. Toi, tout ce que tu veux juste faire, c'est aller là-bas. Ouais, c'est très pratique, je trouve. Pas du tout emmerdant. Ah ouais, non. C'est vraiment très très facile de prendre le raccourci quand on est là. Donc en fait, c'est ça le plus opti, quoi. Ok. Putain. Ouais. Forcément, ennemi à proximité, bande de... Ta mère, c'est ta sœur. En gros, c'est un indicateur de tracker des ennemis, quoi. Ah, super.
Bon, on peut se reposer là. J'ai perdu toutes mes âmes, ça sert à rien. Putain, tu joues, tu fais que crever quoi, il y a trop d'ennemis. T'es débile. Là, c'est les étoiles dans GTA, j'avoue. Sauf que du coup, t'as pas d'étoiles, mais t'as déjà 17 personnes derrière toi. Je sais que si je vais dans le trou là-bas, je tombe. Attendez, on va tester, j'ai pas d'âme. J'ai pas d'âme. Ah, mais je peux pas remonter. Ah oui, I am caca. Ok. I am gros caca. Bon. Continue par là, du coup. Vas-y, épée à deux mains. On va essayer sur Jean-Michel, là-bas. Fireman. Ah oui, ça fait moins de dégâts. Ok. T'as pas l'intérêt, en fait, de rester bloqué comme ça. De faire une roulade sur le côté, voilà, et de mourir. Putain, mais c'est abusé! J'ai fait une roulade sur le côté, il est allé à droite. Je suis tendu là. Je suis tendu. Oh, je suis tendu. Oh putain, je vais lui en mettre, mais tellement. J'ai plus envie d'acheter le jeu, tu m'étonnes. En fait, c'est débile d'avoir mis autant de mobs, je trouve. Ah, le niveau de l'enfer. Je pense que c'est le niveau de fin. Et là, ils nous prouvent qu'ils savent rajouter des ennemis. Attendez. Ah, et ça. Moi, je vais lui prouver que la foi et la radiance, il n'y a rien de mieux à lui, là. Et voilà le meilleur build de Lords of the Fallen. Bonne toi. Ce sera un TikTok. Ça deviendra un TikTok. Il a mangé ses grands morts de ses morts. De ses morts. De ses morts. Ses grands morts. Ses grands morts de ses morts. Attends, du coup, c'est bloqué ça? Ah oui! Oh non, je veux pas descendre. Non! J'ai oublié des trucs! Non! Est-ce que je pourrais remonter? Vous croyez que ça ne pouvait pas être pire? Eh bien si. Attends. Du coup, j'ai foutu une graine là-bas pour rien. J'ai perdu une graine, putain. J'ai perdu une graine. De ses morts. Une graine de ses morts. Et là. Ah ah ah. Salut Illuminati 0940. Ça sent le raccourci là. Pas le raccourci mais l'objet. L'objet en bord de falaise quand même. J'y vais ou pas? Ça sent quand même, ça sent la merde. Vas-y, tu peux descendre. Putain mais je suis dans. Je touche pas le sol. Je touche pas. Sol. C'est de la merde, non? Ok. On peut ne pas prendre l'ascenseur, du coup. Et là, il y a un truc ou pas? Est-ce que je saute? Va dans les abysses, Ribo. Va dans les abysses. En tout à coup. De ses morts, de ses morts. Ok. Ça a l'air chouette là. Des bisous YouTube. Pouce bleu, abonnement. Même sur toi. Pour des pouces. Tout ça pour des pouces. Tout ça pour